Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'une légende rémyenne ici pour l'occasion de ces championnats de Ligue. Je suis avec quelqu'un qui est à ce club comme joueur déjà depuis très très longtemps. Il est arrivé à ce club, il avait 18 ans, il a joué, puis aussi il a créé le national de Rumilly, dont tout le monde se rappelle ici. Il a aussi été à l'origine de ce beau boulodrome là, dans lequel on a tourné hier, et c'est quelqu'un que tout le monde connaît ici. Bonjour Gaston Duré. Bonjour Pierre. Alors Gaston, on accueille aujourd'hui, enfin vous accueillez aujourd'hui le championnat de Ligue depuis deux jours et puis encore jusqu'à demain. C'est à nouveau un jour de fête ici à Rumilly, je suppose. Oui, c'est un jour de fête. Ça fait la cinquième fois qu'on accueille. Bon, avant c'était donc les championnats Rhône-Alpes. Hein. C'est la première fois qu'on accueille le Roi réunifié à 12 équipes. Bon, c'était aussi quelque chose d'important pour le club d'accueillir cette manifestation qui avait lieu en Haute-Savoie cette année. Voilà, et là, il y a toute l'élite régionale qui est réunie. On va avoir certainement de très belles rencontres, enfin du moins on l'espère. Et ben maintenant, avec notamment les très belles équipes qu'on a dans le Rhône, dans l'Allier, même en Haute-Savoie, puisqu'on a quand même à Rumilly quelques très très bons joueurs, c'est vrai qu'on a des championnats régionaux très relevés. Alors moi depuis que je suis à Rumilly, c'est la première fois que je viens ici, quand je dis Gaston Duré, on dit c'est immédiatement, il y a des réactions qui sont empreintes de respect. Ce respect là qui vous entoure, est-ce que vous le prenez simplement comme un plaisir ou aussi peut-être comme le fruit de tout ce travail fourni? D'abord, je pense que pour faire de la vie associative, il faut du plaisir. Après, c'est vrai que c'est aussi du travail. Hein. C'est 14 nationaux, 2 championnats de France, un grand 8, un bol d'or de la Ligue Rhône-Alpes. Voilà, là, on a recommencé depuis l'année passée le supranational mixte. C'est une succession de manifestations. Et puis bon, Rumilly est devenu aujourd'hui un club, l'an passé on a terminé le premier club de France avec l'Esprit Club, on a été 5 fois champion de France en CNC en 2 ans, voilà, on a quand même ça fait une reconnaissance régionale. Alors vous évoquiez tout à l'heure le supranational mixte, ça c'est le dernier bébé du club, et puis une manifestation là qui déjà connaît beaucoup de succès. Voilà, alors c'est un peu le bébé du club, beaucoup de mes jeunes collaborateurs n'avaient pas connu de 91 à 2004. Ils avaient envie de revoir une grosse manifestation, donc on est parti sur un doublette mixte. Le bébé a bien marché l'année passée puisqu'on a fait 300 doublettes mixtes. Cette année, on a trouvé un petit jeu, donc on monte à 301 et l'affiche complète. Alors, on le disait à l'instant, il y a cette carrière de dirigeant, de joueur, d'organisateur, elle est déjà longue. Donc je suppose qu'il y a énormément de souvenirs dans votre mémoire. Mais quel est le meilleur, Gaston? J'étais très ami avec Michel Desbois qui habitait à 20 km, on était classeurs, on a fait une bonne partie de notre carrière de joueurs et de dirigeants ensemble. Et le championnat de France 2016 en doublette mixte restera pour moi mon meilleur souvenir avec lui. Merci Gaston Duré d'être venu nous voir quelques instants sur l'espace Boulistenote. Alors merci surtout Boulistenote pour tout ce que vous faites pour la pétanque cette année, parce que c'est aussi très important pour les organisateurs. Merci Pierre. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après cette interview de Gaston Duré, le président de la pétanque de Rumilly, on va rejoindre pour la dernière fois de la journée une partie qui se déroule, qui vient de commencer, et puis une partie qui est qualificative elle aussi pour le championnat de France, puisqu'elle oppose les deux perdants des demi-finales. Et pour commenter cette partie qui oppose l'équipe Bouquin à l'équipe Lois, on a le plaisir d'avoir avec nous Ibo Arslantas, champion isérois que tout le monde connaît dans la région et puis aussi international turc, qui nous fait le plaisir de venir faire un tour ici sur la Web TV Boulistenote. Bonsoir Ibo. Bonsoir Pierre.
Alors Ibo, tous ces joueurs-là, ces six joueurs-là qui sont sur le terrain, tu les connais? Oui. Tu les connais parce qu'il y a des joueurs, il y a trois joueurs de l'Ain, et puis évidemment tu connais Michel Lois, Michel Van Capemout et Fabrice Ril. Ils ont perdu tout à l'heure contre l'équipe Suarez, donc ils sont contraints de faire cette partie qualificative, cette petite finale contre Roger Bouquin, Cédric Murgia et Anthony Russo. Alors eux, ils sont de Montluel et puis eux, tu les connais bien. Oui, je les connais aussi. Ouais. Très bon joueur aussi. Alors eux, ils ont échoué. Ils ont échoué tout à l'heure, il y a quelques instants, contre l'équipe de Bruno Gir, hein, qui est, elle aussi s'est qualifiée pour Perpignan. Donc il y a trois billets pour Perpignan le 17 et 18 juin prochain. Et ces billets, il y en a deux d'attribués, vous le disiez, puis le troisième. Le troisième, ben, Michel Lois, tout comme Bouquin, espère bien le remporter à l'issue de cette partie. Alors ces joueurs, Ibo, tu les as vus évoluer tout à l'heure contre Bruno Gir. Et puis on les a vus malheureusement craquer à la dernière semaine, mais avant ils ont fourni une partie d'excellent niveau. Oui, ils ont fait une très belle partie. Bon, après je pense que c'est l'expérience qui a pris le dessus, hein, l'expérience de Bruno Gir qui est un excellent joueur, William Defant et Bégon. Et c'est vrai qu'ils ont craqué à la fin, c'est dommage pour eux. Alors là, ils vont expérimenter un terrain là, qui fait des soucis à beaucoup de monde hein, depuis trois jours, avec un revêtement très dur et puis un terrain sur lequel a déjà joué Michel Lois cet après-midi. Mais on a vu les qualités d'envoi là, de Cédric Murgia et d'Anthony Russo. Donc je pense qu'ils vont l'apprivoiser certainement rapidement. En tout cas, cette première main, eh ben, elle tend les bras à l'équipe de Décines. Ah, ça, c'était bien joué avec cette boule avec cet effet rentrant. Il n'a payé qu'à la fin parce que la boule a dérapé. Vous l'avez vu, et puis il est en train de voir s'il y a un deuxième point. Il doit peut-être compter, je pense. Alors Ibo, Michel Lois, lui, tu le connais bien, et puis tu l'as vu de près, hein, puisque je crois qu'il t'a une fois barré la route. Michel Lois, non, jamais lui. Ah, pardon. Jamais. Alors du coup, puisque tu représentes l'équipe de Turquie, tu l'as déjà représenté à Santa Susana, ça t'avait valu une médaille de bronze au tir de précision. C'est ça. Et tu l'as représenté aussi au dernier jeu méditerranéen. Là, c'était la médaille d'or que tu avais remportée. Ouais. Et par contre, cette année, je suppose que tu es en train de préparer, puisque tu es aussi dans la sélection, les championnats du monde au Bénin. Voilà, c'est ça. Normalement, on sera présent au Bénin. Peut-être dire un mot de tes partenaires au Bénin, hein, puisque la sélection est déjà connue, la sélection turque. Et ben en fait, oui, on aura Selim Dedimoglu du Nord, Ali Nardiklik, Moussa Ilmaz, Di Nicola, Emeric Kievec, et puis la maman Amous, normalement. Voilà, ouais, tu es des habitués de la sélection turque. Voilà. Et des joueurs, des joueuses qui pour la plupart évoluent en France. C'est ça, ouais, on est tous d'ici. Ouais. On a la double nationalité, on a la chance de pouvoir jouer pour la Turquie. Alors on a repris l'équipe de Décines, la formation là, qui avait commencé le concours ce matin, c'est-à-dire que Fabrice Ril tient le poste de pointeur. Michel Van Capemout est milieu. Ils ont pas mal tourné hein, de cet après-midi. C'est vrai. Ils ont pas mal bricolé. Ah oui, on les a vus passer par des hauts et des bas cette équipe. Hein, mais voilà, c'est des grands champions, ils se sont toujours sortis. C'est ça. Et en face, ils avaient une très belle équipe des frères Vernil et Suarez hein, qui ont fait une très belle partie. Oui,
ça c'est l'équipe peut-être qu'on a vu le plus en forme aujourd'hui pour ces championnats de Ligue. Avec Suarez notamment, impressionnant à l'envoi. À l'envoi, ouais. Il les envoie très très bien. Lui aussi, il envoie très bien la boule, Cédric Murgia. Il en a manqué un saut aujourd'hui de boule comme ça, Michel Loin, 22 ans. Il a juste mis un peu de poussière là, sur la boule tirée. Qu'on souhaite à nous à Boulis de Notes, c'est vous donner du plaisir chez vous, quand vous ne pouvez pas être sur place. Alors, il vaut toujours mieux être sur place, évidemment, hein, parce que rien ne remplace le live, c'est comme les concerts. Hein, mais par contre, si on est loin, on a du plaisir. Et puis, nous les premiers, hein, parce que quand on est chez nous, quand je suis chez moi et que je n'ai pas le plaisir d'être sur place à Boulis de Notes, première chose que je fais, j'allume la télévision et puis je suis ça en direct. Surtout pour écouter la douce voix de Stéphane Cagnon, évidemment, parce que ça, maintenant, je suis accro. Hein. Ah, c'est encore bien embrouillé. Il voulait passer à droite, il est passé à gauche, mais c'est le même résultat. Le point de sociétaire de Montluel. C'était bien essayé, mais il voulait plutôt prendre la sienne, hein, Fabrice Auril. On réfléchit, parce qu'on peut tirer pour deux, mais quand même, elles sont tentantes, ces deux boules devant, là. Après, ils sont pas trop faciles au point aussi. Hein. Il y a des pointes cachées qu'on voit pas. Ouh là là. Tout à l'heure, j'ai du bout de la chaussure, là, j'ai enlevé le revêtement là, de Gravillot. Ce que j'ai vu dessous, ça m'a fait peur. Deux casques allemands, il y avait. Et voilà, il l'a réussi, il a fait le cap-note. Hein. Alors, il a mis un point, c'est sûr. Est-ce qu'il en a mis un deuxième? C'est moins sûr. La drogue et Sylvie Savino, Lisère.
Et toi, Ibo, tu suis cette partie avec nous, mais je vois que tu as un œil un petit peu sur le côté parce qu'il y a aussi la finale des filles et puis il y a tes amis là, qui sont en train de la disputer. On a les filles de chez nous qui sont à la finale. C'est ça, on les a vues tout à l'heure. Tout à l'heure gagner que ces filles de Salaise-sur-Sanne gagner contre Marie Hidalgo, Alexandra Regaza et Florian Vernil. Et là, elle dispute la finale contre la Drôme. Et voilà, c'est ça. L'équipe de Sandrini. C'est ma partenaire pour demain au mixte. Voilà. Sylvie Savino. Voilà, une faute de pied, donc monsieur l'arbitre a sorti la biscotte. Alors, on discute pour savoir ce qu'on va faire. Parce que je pense que c'est parce que Murger, Russo voudrait tirer, mais il y a un risque de contre quand même. Ça serait, si ça contre derrière, ce serait un peu compliqué. On est debout le contre une. Voilà, je pense qu'il faut y aller. Juste épluché, le point est certainement toujours à l'équipe de Dessine. Alors, le problème c'est que maintenant il faut rentrer parce que toujours un tir à 3. Michel Van Capenout. C'est le gagné, il est un petit peu déçu, Anthony Murusso, mais par contre il a dû rentrer. Dans le meilleur des cas, il a dû faire un tir à deux. Enfin, il a dû laisser un tir à deux avant Campenoute, mais fait cette boule, fait pas trop envie derrière, demi-sauter comme ça. Je pense qu'on va plutôt, il va plutôt essayer de faire exactement le même coup, Michel Van Capenoute, et de rentrer dans les deux boules qui sont devant. Alors, il a tiré. C'est manqué. Il a tiré, c'était la boule de fond à gauche qui gênait. Ça sera un point, vraisemblablement, on va le vérifier. Un point. Ça fait 4-0 pour l'équipe Loire. Thank you.
Monter très très haut, un peu trop haut d'ailleurs, parce qu'il est court. Ce point, il est. Il est à presque un mètre. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes à Cédric Murgia. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut envoyer quand même assez loin, assez près du bouchon. Il faut les envoyer mortes. Ouais. Ah ben voilà, c'est un problème. Il est très à l'aise au point, Cédric Murgia. Il est aussi à l'aise au tir, hein, parce qu'il avait. On se rappelle qu'il avait, il y a quelques années, il s'était qualifié pour le championnat de France mixte, hein, au poste de tireur. Sous les couleurs de l'Ain, bien sûr. C'est bien envoyé. Celle-là, c'était une merveille. Les vainqueurs de la compétition masculine, l'équipe d'Alex Vermil, Enzo Vermil et David Suarez. Les spectateurs, vous pouvez les applaudir, même si la finale a été expéditive. Ils sont qualifiés tous les deux pour le championnat de France. Et Alex Vermil, Enzo Vermil et David Suarez seront donc champions régional triplette 2023. C'est déjà fini de l'autre côté. C'est ça, on connaît les champions de ligue. Vernil. Suarez. Et Suarez, et certainement les hommes les plus en forme de la journée, on les a vus se balader sur ces jeux difficiles. Ils ont produit très beaux jeux. Valeurs sûres du Rhône. Hein. Le Rhône, c'est un département où il est venu beaucoup de grands champions. Mais on voit que les locaux arrivent à avoir leur mot à dire quand même. Ça c'est bien joué parce qu'il avait vraiment mal frappé Michel Van Kampenhout et malgré ça, il a bloqué sa boule. Il nous a tiré dessus. Il en a pris un petit bout, il n'était pas tout à fait droit, Roger Bouquin. Mais elle est partie cette boule, c'était l'essentiel. Bon, c'est la pétanque qu'il faut faire jouer. C'est ça. Ouf, là aussi. Une boule d'école. Très bel envoi de Michel Roy. Juste pas droit. Ah oui. Alors, si vous pouvez en prendre un petit bout quand même. Hein, c'est... Il a bombé. Ouais. Allez,
marche encore, parce qu'ils sont, il y a deux boules contre une, le bouquin. C'est un ruisseau, en espèce. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Ah, c'est mieux. Allez. Ces points sont très très bons. Il est quoi ? Il est quoi, Michel ? Ah ben, tranquillement, c'est un troisième point qui est ajouté par Cédric Murgia. Et voilà, qui revient presque à hauteur de leurs adversaires. Ils avaient besoin de cette main, là, les joueurs de l'Ain. J'ai essayé de trouver l'adjectif, mais j'avoue que j'ignore comment on appelle les habitants de l'Ain. Bonne question. Merci Yvo pour ton aide, ça me fait plaisir. Bonne question. Les Indinois. Et voilà, ben on a la réponse. Les Indinois. Eh bien, on va utiliser cet adjectif encore à plusieurs reprises, je pense, pendant cette rencontre. En tout cas, une rencontre qui est serré pour l'instant. C'est normal, il y a de la qualité de jeu des deux côtés, le jeu est difficile. Donc, on voit tour à tour les deux équipes offrir des occasions à l'adversaire. Ah, mal piqué. Ah oui, celle-là, elle ne jouera pas très certainement. Elle n'est pas montée celle-là. Belle à pointe Fabrice Ril. Gagner. C'est frappé par Michel Lowe. Thank you.
équipe féminine, deux points supplémentaires pour Sylvie Savino, Isabelle Plane, Sylvie Duchamp, l'Isère qui recolle au score, égalité entre la Drôme et l'Isère, trois partout, début de la cinquième minute de cette finale. Oh là 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 là, quel beau carreau de Roger Bouquin. Elle a patiné celle-là. Il a décidé de tirer avec une boule de ruisseau qui était moyenne. Donc ce carreau, il arrange complètement l'histoire. Là, elle a traversé le jeu. Celle-là aussi. Hein. Il y a toujours deux points hein, pour l'équipe Bouquin. Et on va jouer la dernière boule du côté de l'équipe Lois. Et non, pardon, pas, non, l'avant-dernière boule. Ah, il a fait du travail avec son carreau, Bouquin. C'est sûr. Supplémentaire pour l'équipe Ardéchoise de la Vaune sur le terrain numéro 6. Bernadette Chevenu, Audrey Marcès et Marie Picrez mènent 4-2 face au Rhône. Allez, en mesure, évidemment, Van Kopenhout aimerait bien avoir gagné le point parce qu'il aurait, une boule qui est extrêmement bien placée. Ça doit être vraiment fin. Et il a perdu. Maintenant, on va vraiment jouer la dernière boule du côté de l'équipe Polo. Alors, par contre, elle est intéressante, la boule de Van Kopenhout, parce que quand même, elle est en contre. Oui, c'est ça, elle est en contre. C'est joué perfection, il a embouchonné. C'est très bien joué parce qu'il avait joué en plus en direction de la boule de Van Kopenhout. Ouais. Avec un petit effet rentrant. Et le bouchon il colle pas, Après,
Et les il boules, y a les deux boules longues de l'équipe Loi qui attendent et qui sont en embuscade au fond. Hein. C'est très bien tiré, ça. Voilà, ça c'est un tir chirurgical là, que vient de faire Roger Bouquin. Alors, est-ce qu'on va choisir de tirer pour deux ? Pour deux ou pour trois peut-être. Eh bien, ça sera un seul point. Il était difficile ce tir pour Anthony Russo parce qu'il fallait tirer bien sur la boule pour essayer de la faire sauter. Mais par contre, si on l'a sauté vraiment, on cassait la sienne. Ouais, c'était extrêmement délicat. Et peut-être un peu, quand même un petit peu soulagé d'avoir manqué. Il n'a pas fait esprit. Mais égalité parfaite. Voilà, Ibo Arslantas a dû s'absenter. Et donc on va continuer avec l'ami Stéphane Gagnon. Oui, dans cette belle partie indécise. Hein. Oui, c'est ça. On voit qu'il avait démarré fort et puis Bouquin qui a tourné la page de cette première main et qui a marqué deux mains de suite. Un petit coup de pression, un petit coup d'accélérateur de Michel Bois avec ce magnifique carreau en place. Et vous l'avez peut-être entendu, effectivement, c'est pas l'express de minuit, mais on est tout proche de la voie ferrée et vous avez certainement entendu le train qui passe. On a eu droit à ça depuis 3 jours et ça va continuer encore demain. C'est un petit peu moins parce qu'on est dimanche, mais on est tout proche de la voie ferrée ici à Rumilly. Il a pris une option un petit peu étonnante quand même, c'est de manger à son équipe de pointer sur ce carreau de bois. Et on va continuer à pointer, c'est vraiment étrange hein, parce que qu'est-ce qu'on espère avec un point à 30 comme ça dans ce terrain. Alors certes, on espère le gagner bien sûr, mais c'est pas forcément la chose la plus facile. On va peut-être réfléchir à deux fois quand même. Ah ben oui, parce qu'en plus sur un tir, cette boule va finir par la tirer, puis le bouchon peut démarrer. Donc voilà, après là, finalement on est revenu à la raison et on partirait. Thank you.
c'est un petit peu le défaut de Roger Bouquin, hein, avec un tir qui monte très haut, une grosse courbe. Alors, la qualité, c'est que s'il est dans la boule, il fait beaucoup de carreaux. Et par contre, dans ces jeux, là, c'est, le tir n'est pas très puissant, mais ça donne ça quand on est un petit peu court. Ouais, mauvais scénario pour Roger Bouquin dans cette mène là. Et donc on va essayer de colmater. Alors ça c'est un bon scénario pour l'équipe à l'eau parce que alors, eux, ils aiment bien tirer. Alors en déplaçant légèrement cette boule, ça peut offrir une possibilité de venir se coller à la boule. Hein. Il fait, hein, il alors, est... bien joué, mais ça va finir quand même avec le point par terre et 5 boules à main s'il faut pour voir. Un point supplémentaire pour l'équipe de Vermaison sur le terrain numéro 6. C'est l'Ardèche qui est toujours devant dans cette partie de barrage très serrée depuis le début. L'Ardèche mène 4 à 3. Ah, essaie de bien jouer celle-là encore un peu. Ouais, là c'est opération serrage hein, dans cette fin de main là. Enfin, cette. Milieu de mène, mais pour les dernières boules de l'équipe de l'Ain, il va falloir un miracle pour s'en sortir là, pour éviter la grosse mène. Ah, deux fois derrière, ça c'est des boules qui vont pas spécialement compter, hein, même si elles sont plutôt près du but. Aïe, là pour les Indinois. Oh, elles vont faire jouer, de toute façon, c'est pour oui, là, mais... elles sont évidemment bien. Elles figureront, hein, notamment la boule qui est à la sauter, hein, elle va être difficile à tirer. Alors, on ferme le jeu, on propose forcément, certainement, 4 tirs à l'équipe loire. Ça fait un. De travail, mais encore faut-il que Roger Bouquin parvienne aussi à rentrer près du but. Ben, c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Cinq boules hein, pour Lois qui a tiré d'entrée, qui a fait carreau et qui a fait jouer toutes les boules adverses. J'imagine que Michel Lois va tirer la boule qui est face au but, 60 devant. À moins qu'on choisisse de pointer pour voir si on arrive à se fournir une tire à deux. Quoi. Passer les deux premières boules dans un premier temps. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, les deux boules derrière ne sont pas égales distance. Hein, donc il y a vraiment possibilité de venir en trois. Il est venu en main, ouais. Fabrice. Il a gagné le carreau de Michel Lois. Ouais, je crois qu'on est parti pour pointer. Hein. Ah ben oui. Ouais, enfin, ça, quand même, chaque fois ça va être difficile. Là, la boule qui est en troisième position, la boule adverse, elle est à 20 cent. Avec 4 boules en main, je pense qu'ils en mettent 2 sur 4, ils seront très satisfaits. Hein. Ben oui, ils peuvent. Ils pourront s'ils arrivent à faire ça. Oh là 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 là, 3. Là, quelle mène de monsieur de Fabrice Hill, c'est énorme là ce qu'il vient de réaliser dans ce terrain impossible. Et là du coup il a protégé le bouchon en quelque sorte. Hein, plus ou moins, hein, mais oui, quand on vient de la droite, comme on va certainement le faire avec Capenoute, on joue relativement tranquillement. Maintenant, les bases sont posées pour faire une très belle main. Voilà. Ah.
2 qui gêne. Allez, j'avais parlé de 2 sur 4. On a rajouté qu'une boule pour l'instant. Il en reste une dans les mains de Michel Lois. Bah, de toute façon, la main, elle est payée. Hein. C'est, en choisissant cette option de rajouter, on pouvait espérer 3 points. Hein. Ça serait vraiment... un gros bonus si Michel Lois... Il a décidé de passer par la gauche. Dans la fenêtre là, que forment les deux boules adverses. Voilà, la deuxième boule pointée du Belge, là, peut éventuellement aider un petit bec. C'est ça, finalement, il a changé d'avis. Il va jouer exactement comme ses partenaires. Ouf. Il a banqué très peu de choses. Et peut-être rien du tout d'ailleurs, parce que je vois qu'on mesure. Il me semblait que. Non, Fabrice Fille n'est pas convaincu. On va voir, c'est le maître qui va parler. Et il en a bien 4. Hein. Bien. Ça, c'est vraiment une très belle main, hein, parce qu'il fallait la réaliser, hein, honnêtement. Ça, c'est la qualité aussi de cette équipe, quand même. Hein. Ce sont des très grands tireurs, hein, mais ils sont capables de faire ce genre de main, glisser 4 points dans un mouchoir de poche. Ouais, et l'équipe de là, hein, qui avait bataillé dur pour revenir à 4 à 4, et là, en une main... Tout est un petit peu anéanti, je dirais. Hein. 4-8. Alors rien n'est fait, bien sûr, mais ça prouve que dès que la porte est entrouverte, ça peut faire mal. Et on vous rappelle, hein, si vous prenez cette partie en course, c'est la partie qui va octroyer le troisième ticket pour le championnat de France. Donc malheur au vaincu. Ça va et plus ça monte haut, non? Ah, il y avait de la hauteur, de la rotation, il y avait tout ce qu'il fallait pour que la boule bloque. Toutes mes excuses, mes doigts ont fourché. Je pense que c'est le froid là qui nous envahit sous la cabane bouliste note. Donc bien évidemment, vous l'aviez compris, c'est bien Lois qui mène 8 à 4. On remercie Mika qui suit de près la partie, plus que moi. En tout cas, là, du côté des joueurs de l'Ain, on a tiré la leçon dans la main précédente. On est parti tirer tout de suite. Malheureusement, la boule de bouquet ne s'est pas donnée. Ouais, comme tu l'as dit, elle arrive un petit peu morte et... Et là, il était un petit peu court, hein, de toute façon. Alors, laissant un petit peu indécis quand même sur la conduite à tenir, là, les joueurs de l'Ain. Peut-être un peu là, parce que ça fait quand même. Ils ont fourni une très grosse partie tout à l'heure contre Bruno Gir. Maintenant, avoir. Lois, 24 août et Ril à la partie des perdants, c'est pas très sympathique, je crois. Et bon, c'est comme ça. Si on veut aller à Perpignan, il faut passer par-dessus de très belles équipes. En tout cas, au niveau du rapport de force et des parties jouées, c'est deux équipes qui sont passées par les barrages qui en sont la septième partie tous les deux. Hein. Donc là, il n'y a déjà pas un avantage. Alors, il peut y avoir un avantage au niveau du temps passé pour les parties, mais ce sont deux équipes qui sont passées par les barrages. Hein. Ce matin. Ce sont aussi des équipes qui sont habituées à faire des nationaux. Hein, quand on est dans le 512, on a encore
une ou deux parties supplémentaires à fournir. Je n'ai plus le score à l'écran. C'est une bêtise à l'instant. J'étais en train de calculer, compter sur mes doigts combien de parties il fallait faire dans un national à 512 équipes pour se qualifier pour le dimanche. Il faut en faire 7 en fait. Donc on est exactement dans la même figuration. Là, ils sont à la 7e partie. Ces joueurs, là, ils sont exactement dans la position où on est quand on fait un 16e de finale dans un grand national. Ça devient un petit peu plus difficile hein, pour Roger Bouquin. Deux boules qui sont un petit peu courtes. Plan là sur ces jeux là sur ces jeux que nous a défini cet après-midi Yves Renck en tant que spécialiste des travaux publics routiers là. Il a reconnu immédiatement le revêtement lui. Et ces jeux qu'on va découvrir certains notre ami Damien Tino hein, le vice-champion de l'Ain doublette cette année dans l'Ain qui nous suit et qu'on félicite d'ailleurs pour leur magnifique... Ah, je crois que tu as une petite rectification au niveau des 512, on nous annonce 6 parties. 6 parties, mais si comme les joueurs qu'on voit en ce moment devant nous, là, on passe par les barrages, ça fait 7 parties. Et donc j'étais en train de... Féliciter notre ami de Bellegarde, là, Diamantino, et son collègue, alors j'ai oublié son prénom, hein, Taverne, qui se sont brillamment qualifiés pour le championnat de France en doublette, qui ont vraiment régalé les spectateurs ici. Je crois que c'est Nicolas Taverne, si je ne me trompe pas. Celle-là, il fallait la croiser pour ne pas avoir le contre. Ouais, les joueurs indinois qui ne sont pas en très bonne position dans cette main. C'est bien joué.
c'est juste épluché par un capenoute. Le point est toujours peut-être au joueur de l'Ain. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça ou pas, hein, parce que vous le voyez, Fabrice Riel est venu demander son maître à l'arbitre. On va mesurer. Quand même que cette partie est vraiment importante parce que ça joue quand même très lentement. On prend vraiment beaucoup le temps de la réflexion des deux côtés. Ah bah, de toute façon, il ne faut pas pouvoir se reprocher d'avoir joué trop vite dans ce genre de partie. Oh là, c'est bien tiré. C'est bien tiré. Il a contré derrière. Il a fait carreau, un capenoute et il a toujours le point. Certainement, Fabrice Riel a un joli tir. Je vous avoue qu'avec le carambolage, j'ai perdu de vue. Non, je pense qu'il y a deux boules qui gênent. Ce qui est un jeu. Ah non, il pointe. Ah oui. Non, il pointe. Il va essayer simplement de rajouter un point. La boule noire de gauche et celle qui est à l'extrême gauche, la blanche, doit tenir sur les deux noirs qui sont derrière. Donc, non, il n'y a pas de possibilité de tirer. Sa possibilité de monter à 10, qui est déjà pas mal. Ah, c'est fait, cette boule bien bloquée, ça fait 10 à 4 maintenant. La partie a basculé nettement du côté des joueurs de Décines. On les sent. Alors, il n'y a pas de jeu extrêmement. Spectaculaire hein, pour l'instant, mais on sent que là ils sont bien dans le match, Riel, Loi et Van Capenoute, et petit à petit construisent ce qui pourrait être leur victoire et leur qualification pour le championnat de France à Perpignan. Alors, on ne souhaite pas du tout à Bouquin, Murger et Russo, ils ont certainement les capacités de rebondir dans cette partie, mais ça va devenir dur. Hein. Il y a du très costaud, du très cohérent en face d'eux. Et il y a surtout de l'efficacité. Voilà, il va falloir faire du gros jeu hein, pour renverser la situation. Voilà, ça c'est encore une boule parfaitement bloquée. Elle a roulé un petit peu parce qu'elle a, il y a une très mauvaise frappe, mais de la hauteur et où elle arrivait avec la rotation qu'elle avait, elle ne pouvait pas aller très loin. C'est vraiment très difficile ce que réalise Riel sur ses jeux. Il faut vraiment une grosse technique. Prudemment Murgia, il a assuré la boule 2 mètres devant et ça réussit. De la boule, c'était vraiment deux doigts devant. On aurait dit le tir à Christian Fasino tout à l'heure. Hein. Ah, c'est incroyable. Alors, comme les années vous proposent ces belles images là, de,
du boulodrome de Rumilly en fond. Ouais. Des jeux que retrouvons là. La web télé, Bouliste Note. On va revoir ce tir de Michel Loire, c'est incroyable. Ouais. Du coup, celle-là elle est presque détirée. Et il est content, certainement, Borgia, parce que avec cette belle reprise, il a construit un début de main à l'avantage de son équipe. Ça va. On va jouer la quatrième boule hein, du côté de Décines. Et puis là, on est vraiment condamné à pointer hein, parce que. Non, on va quand même aller tirer. Bah, qu'on en a pointé, non, parce que en fait, il faut quand même continuer à construire, parce que si pointé, ça veut dire laisser les adversaires avec le point par terre et 5 boules à main. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure dans l'autre sens. Hein. Voilà, c'est bien tiré. Tirer toujours cette capacité à jouer les grosses boules là, chez Michel Chen, le banc à Penoute. On le voit, même au tir, hein, on a catalogué Van Capenoute pendant très longtemps comme un pointeur de tête parce que c'était le poste qu'il occupait en équipe de Belgique, c'était le poste qu'il occupait avec Claudie Webel. Mais on se rappelle qu'il avait quand même atteint les quarts de finale du Mondial de Millau en tête à tête hein, il y a quelques années en arrière. Et ça, pour faire une performance comme ça, il faut être un joueur complet. Pas pris la place tout de suite, hein, c'est dommage. C'est vrai que Murgia il est resté un petit peu court, alors ça laisse encore un bel avantage de boule pour les joueurs de l'un. Alors est-ce qu'on va se lancer au tir? Non, on va pas se lancer au tir, mais on va tourner notamment. Oui. Roger Bouquin qui va passer milieu et qui va pointer. Ah, c'était un petit peu écrit hein, que Roger Bouquin change là, vu qu'il tirait pas très très bien. Il semblerait, enfin du moins d'après Murgia, que le point est repris. Alors, 3 boules à 2 et le point pour Bouquin. On peut penser qu'il va envoyer entre les deux. Certainement. Ouh, on n'a pas été habitué à ça. Hein. On n'a pas été habitué à ça là, avec Fabrice Rille. J'ai l'impression qu'il a un peu voulu l'assurer, mais il ne l'a pas poussé. Et il laisse deux points
deux points dans le coup encore pour les Indinois. Ouh, bah là, il a, je crois qu'il a rentré. Ça va être deux points frappants pour Russo. S'il parvient à le faire, ça va être une jolie main de remonte, tout simplement. Hein, parce que là, il y a trois boules en main hein, pour les joueurs de l'Ain. Là, il a crocheté la boule. Ça va peut-être suffire. On mesure donc. Le soleil à cette heure-ci, je ne suis pas sûr. Russo, parce que franchement, quand on vient de crocheter une boule comme ça, on n'a pas trop envie d'y revenir sur la même. Mais bon, il faut se forcer, hein, parce que à la clé, ça peut être au moins 3 points. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux, c'est frappé. Et la possibilité pour Bouquin de faire cette manœuvre de 3 points. Ils en ont besoin, les joueurs de l'Ain, hein, ça les ramènerait à simplement 3 longueurs de leurs adversaires. Vous avez salué l'équipe ardéchoise de Bernadette Chabani, André Marcès et Marine Picresse qui se qualifient pour le championnat de France avec victoire 13-3 face au Rhône de Marie Hidalgo, Alexandra Rezengaza et Florian. C'est parfait. C'est fait. Vernil. Allez, partie totalement relancée là. Oui, et puis peut-être ce changement dans l'équipe de Montluel là, qui peut donner ses fruits, parce que là on l'avait vu tirer essentiellement Roger Bouquin, puis là on l'a vu envoyer deux boules à la perfection pratiquement. Et donc ça peut être un changement qui apporte des nouvelles données dans cette partie. On va voir. Alors c'est une chose qu'on a rarement vue aujourd'hui. Hein. Un jeu à 6 mètres. Oui. Je dirais même pratiquement depuis 3 jours. Hein. C'est ça. En tout cas, c'est un choix pour moi. C'est pas un accident, hein. C'est un choix que fait Bouquin. Allez, 9e main, 10-7 pour Loi, et on vient de passer l'heure de jeu. J'ai l'impression qu'on est dans une partie très épaisse là, hein. Bien grasse. Ouais. De toute façon, je ne sais pas ce qu'on va tirer. Eh ben non. Non, on a décidé de. On a décidé de proposer une reprise à Fabrice Ril. Ouais, je pense que les Lyonnais ont vu peut-être les joueurs de l'Ain peut-être pas très performants au tir, donc est-ce qu'ils jouent un petit voir, peu. Que Anthony Russo, il est très grand, hein, donc en général. Bien provoquer les joueurs de cette taille à 6 mètres.
Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, Roger Bouquin avec son tir en cloche, mais c'est le cas aussi d'Anthony Russo, hein, donc il faut vraiment qu'il tombe dans la boule, parce que là, au pied de la boule, certains, elle va pas faire des kilomètres. Hein. Bien sûr, bien sûr que la loi est dans le bouquin. Enfin, la loi, plutôt, moi j'appelle ça une radnique plutôt. Ah, voilà qui est bien rattrapé. J'avais besoin de ce carreau, Musso. Russo, je m'obstine à l'appeler Musso, j'espère qu'il m'excusera quand il verra la retransmission. Enfin, je crois qu'il s'en fout Anthony Russo, de toute façon ce qu'il veut c'est essayer de gagner son billet pour Perpignan. Et là il vient de le montrer avec ce carreau, oh là là, il n'est pas content Michelois, il voulait rendre ce carreau et cette casquette là. Il remet un petit peu les pendules à l'heure pour ses adversaires, hein, parce qu'ils ont il a qu'une seule boule d'avance, mais il y a deux très bons points au sol. Il va falloir faire des choix. Le choix certainement ça va être de tirer et puis d'essayer de le rendre ce carreau. Hein. C'est encore plus frustrant parce qu'il était au pied de la boule, il l'a à peine bousculé. Et on a entendu le cri de Michel Loi là, qui a encouragé sa boule à faire le carreau. Il voulait le rendre parce qu'il sait que si les joueurs de l'Ain arrivent à marquer cette mène, eh ben ça se jouera tout à l'heure à la bataille. Quoi. Ça, on préférerait l'éviter du côté de Dessine. On est obligé de continuer à tirer, il n'y a pas trop le choix, hein. Et chaque fois c'est une prise de risque évidemment. Et voilà, il a rendu encore cette capacité de Van Capenout à bien jouer les grosses boules. Elle est inentamée hein, depuis bien longtemps. C'est un Capenout, ça. Elle fait partie de cette garde belge là, qui a dominé la pétanque de son pays pendant si longtemps. Carton jaune pour Cédric Murgia. C'est autour de Bouquin hein, d'expérimenter la difficulté de tirer cette boule qui est à moitié enterrée, hein, vous le voyez. Et donc il faut. Donc un peu court c'est manqué, un peu long c'est manqué, il faut vraiment tomber dessus. Et souvent quand on tombe dessus, c'est une casquette là, qu'on vient de faire. Hein, celle que vient de faire Bouquin. Et voilà, celle-là, elle est sautée. Van Capenout a complètement renversé la situation. Ouais, et puis là, il y a quand même un détail qui est important, c'est que la boule blanche qui vient de jouer Bouquin, elle s'est bloquée. Elle est en troisième position. Ouais, la boule de gauche était celle de Loi. S'il avait passé, il y avait les boules pour terminer pour Michel Loi en tirant deux fois. Hein. Donc, heureusement que cette boule blanche s'est bloquée. Parce que sinon, ils n'étaient pas bien du tout sur la mène.
Est-ce qu'on a choisi de tirer, est-ce qu'on a choisi de pointer? En tirant, on enlève la gagne. Enfin, en tirant et en cadrant. Ouh là 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 là, il a embarqué à gauche sa boule. Et bien maintenant, on va tout simplement pointer. Non mais... Et si Fabrice Rille... Attendez, je ne dis pas de bêtises, il y a toujours... Oui, c'est ça, il y a toujours une boule à Van Capenout, une boule à Fabrice Rille. S'ils ont le bonheur d'ajouter deux fois, ben ils ont gagné leur billet pour Perpignan, tout simplement. Ouais, je sais pas, j'ai un peu surpris qu'ils aient tiré leur dernier boule, les Indinois, parce qu'en pointant bien, ils pouvaient se coller à la boule, ils pouvaient empêcher le tir, ils pouvaient... Après, c'est peut-être plus facile à dire, effectivement, quand les boules ont été jouées. On ne fera pas, ils ne perdaient plus. Hein. C'est vrai aussi. Mais tu l'as dit, la boule était un petit peu enterrée, elle n'était pas facile à tirer. Il n'avait pas tiré de la partie, encore Cédric Murgia. Mais bon, c'est eux qui sont sur le terrain, ils font le choix, ils voient les choses peut-être un petit peu différemment que nous. Quand même, en général, quand on est à très bon niveau comme ça, on vient mourir, mais debout. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé avec cet ajout de Michel Van Capenout. Ils sont qualifiés pour le championnat de France. Van Capenout, Rille et Loi. La journée a été dure, elle a été riche en rebondissements. Ils ont peiné, ils ont eu du très beau jeu, du moins bon. Ils ont peut-être fait leur meilleure partie la dernière, hein, la plus importante. Exactement, exactement. Et puis une grosse déception, je suppose, pour Roger Bouquin, Cédric Murgia et Anthony Russo, ils ont échoué de justesse contre Bruno Gir et là ils viennent de perdre une partie en plutôt bien jouant. Donc c'est la loi du sport. On connaît les trois qualifiés pour Perpignan, l'équipe de Bruno Gir, l'équipe de Suarez et l'équipe de Michel Van Capenout qui a su jouer les très grosses boules pendant ce match. Et ils viennent nous dire au revoir, c'est magnifique. Alors on les a combattus, on les a vus jouer, maintenant ils viennent nous dire au revoir avant de partir. C'est ça les boules, c'est ça cette grande famille où on s'affronte mais où on est content de passer du temps ensemble. Nous, on a été content de passer du temps avec vous, devant vous qui êtes devant vos écrans. J'espère que vous êtes régalés, comme nous, à suivre ces parties du championnat de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. On a, je ne sais pas si Lionel Zanet va nous proposer ses rubriques habituelles, parce que là, c'est un peu mystérieux là, ce qu'il nous propose chaque fois. On va voir s'il nous propose de lire le joueur du match. Mais tiens, on va le faire, on va le lire, le joueur du match, Stéphane. Ça va nous prendre 2 secondes de plus. Mais voilà, tiens, il est là, le jingle. et alors, Stéphane, qui élirais-tu comme joueur du match? J'ai l'impression que Fabrice Rille n'a pas été mauvais. Après, J'ai pas vraiment toute la partie comme ça en tête parce qu'au début j'étais un petit peu sur les scores puisque notre ami... Donc ça va être Fabrice Rille puisque tu le sais, tu as le droit de mettre un seul bulletin dans l'urne. moi pour ma part, ça sera évidemment Michel Van Capenout. On l'a vu excellent dans les 2-3 moments clés de cette partie et puis notamment quand il a frappé une boule en difficulté à l'avant-dernière romaine et puis la dernière romaine, ce carreau phénoménal là, qui a changé complètement le cours de cette semaine. Voilà, pour moi c'est Michel Van Capenout. On vous donne rendez-vous demain parce que le championnat de ligue il n'est pas fini. Demain il y a peut-être la cerise sur le gâteau, le plus beau avec ce beau championnat mixte, un homme, une femme. Un très beau plateau. Et on espère se régaler pour cette dernière journée. Le temps a été clément jusqu'à présent, pas de pluie, on espère que ça va continuer. Reposez-vous bien et on vous donne rendez-vous demain, certainement début d'après-midi, pour un huitième de finale avec 3 tickets à distribuer pour le championnat de France doublette mix qui se déroulera tout là-bas au fond du sud-ouest à Souston. Voilà, ça sera demain et ça sera évidemment devant les caméras de boulistenote.com. Bonne soirée. Bye bye.